Salut, c'est Willy. Et Eric. Et voilà, nous voilà pour une super vidéo de la nouvelle R qui tue. Sur... Ah, la moquette. La moquette toute verte. Ah, non, moquette toute jaune. Un moquette. Un moquette. Le jaune, moquette. Le sable. C'est ce que je disais dans une vidéo, je pense que... Vu que... j'arrête pas de l'appeler à mon moquette. Je sais plus vraiment. Mais bon. Du coup, on a déjà fait une vidéo, j'espère qu'elle est passée aujourd'hui, avec Romu sur un peu toutes les cartes. Donc du coup, ce que je te propose, moi, qu'on fasse là, c'est qu'on ouvre nos paquets, chacun de notre côté. Ouais. Qu'on fasse voir nos cartes en vitesse, qu'on les commente pas, qu'on les fait les voir le plus vite possible, qu'on arrête la vidéo, parce qu'on essaie de faire une vidéo de 20 minutes, et qu'après, on se retrouve sur une autre vidéo, qu'on va construire deux jeux, chacun de son côté, et faire une partie filmée du dessus. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis d'accord. Oh, t'es d'accord? Hein? Il va pas dire non. Hein. Par contre, il faudrait qu'il me paye. Alors, avec deux packs, 24€ x 2. Alors, pour ceux qui ne savent pas, t'es encore d'accord là? Ce week-end, donc soit le week-end du 22-23, c'est ça, hein? C'est ça. Voilà, parce que peut-être que ça sera en décalage, j'essaierai de le mettre ce soir, mais ça va être dur. Hein. On fait les avant-premières, donc hein, ça commence vendredi soir à... Minuit. Enfin, c'est vendredi soir, la nuit de vendredi soir à minuit. À samedi, je veux dire. Donc, samedi matin à minuit. Voilà, et comme les gens, ils ne savent pas, même moi, j'ai du mal. Ça, après on fait le samedi après-midi, on samedi en fait une. Matin aussi. Samedi matin, c'est un draft. Ouais. Et dimanche matin, on en fait une équipe de deux. Et dimanche après-midi, on fait en la dernière. Normal. Et s'il me reste des packs, la semaine prochaine, samedi qui suit, on en fait une avec un peu moins de lot, parce que Wizard est plus avec moi là. Et, mais bon, voilà. Donc du coup, ben voilà, je propose que moi je vais ouvrir en premier. Donc comme c'est ce qu'on a vu sur la vidéo du déballage, c'est en lot. Et quand vous ouvrez, il est possible d'avoir un œil de zombie. Un bras. Un œil. Il n'y a pas de zombie, de momie. On va voir les dés déjà, comment ils sont faits. Alors, oh, la boîte, je sais pas. Ah, original. Très original. C'est un sarcophage. Ah, oui, c'est j'ai compris, c'est un sarcophage. Non, c'est sympa, la boîte. Je dis. C'est un peu fragile. Oh, on peut pas l'enlever. trop marrant. Bon, il y a bien un dé dedans. Ah ouais. Ah si, c'est rien. Un beau petit dé. Ouais, c'est nickel. Est-ce que tu peux mettre un jeu dedans, tu penses? Le dé est joli aussi. Non, il est vraiment une idée. Très très sympa. Il y a des gens qui ont été payés pour faire ça. Je veux dire. Voilà, donc toujours pareil, une carte promotionnelle. Une carte promotionnelle. 6 boosters. 15 boosters. 6, pardon. Et par contre, il n'y a que du bleu à vue de nez. Ouais. Hein, c'est ouais. Bon, petit dé bleu. Allez, du coup, allez, je vais commencer à ouvrir. Je vous fais voir ma carte promotionnelle quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui. Donc il faut savoir que la carte promo est jouable, hein, si ceux qui n'ont jamais fait d'avant-première. Et ben voilà, maintenant vous le savez, c'est jouable. Je vous la déballe, mais je ne la jouerai pas, c'est bleu. Ouais, le bleu, j'aime pas. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est super bien? Je pense que c'est pas terrible le zoom là. Hein. Fait tout en direct, tout va bien. Voilà. C'est mieux. Enfin, un peu mieux. Par contre, on lit bien. Donc, du coup, on lit bien. C'est bien, on vous laisse même pas le temps de lire. Je déballe et on fait toutes les cartes, sinon on n'aura jamais le temps de faire les vidéos après. Allez, hop. Donc ça, j'ouvre mes boosters. Hein. Je fais vite. Si vous voulez voir ce que c'est, comme on disait, on a fait une vidéo explicative de toutes les cartes, en fait. Hein. Donc, c'est bien l'Égypte. Hein. C'est ça. Serpent, des trucs, momies. Ça c'est des déserts, non les déserts. Des déserts. Ah, il n'y a plus de place. Voilà, humain druide. Là on passe au Zenko. Le design est très très sympa. Il y a certaines cartes, je suis très fan. Deux, hein. D'autres moins. Hop, un terrain. Et un petit serpent, contact mortel. Oh pardon. Je continue avec le booster. Toujours du noir, à vue nez, noir-blanc là, je me dirige vers noir-blanc là. Hop là. Contact mortel. Des flèches, bien sûr, des petits chats.
Des mammouths, des gros chats. Voilà. Ah, ça c'était les artefacts. On avait compris à la fin, en cours de route, qu'est-ce que c'était? Oh, double Ah, lande. Alors ça c'est super bien, mais pas dans un scellé. Souvent, ça sert pas à grand-chose. ça recycle? Ouais, il y a beaucoup de recyclage. Ouais. Cette édition est basée sur le recyclage. Alors on continue. Mon troisième booster. Ok. Bien ça. De plus en plus vite, hein. Tout va bien. Comme on disait, hein, c'est pas pour expliquer les cartes, on a fait notre vidéo avec ça. C'est juste pour faire voir comment on fait un scellé en fait. Hein. Oh, Brignard. Et j'ai eu un chat momifié. un chat Alors, sacré. j'ai un truc à vous faire voir aussi. Ça, c'est nouveau. C'est des trucs prédécoupés pour faire des jetons en fait. Voilà, comme ça Des vous pouvez jetons faire quoi? surmener les jetons embaumés ou les jetons moins un moins un ou les jetons briques. Voilà, ça se déplie. Voilà, pour vous mettre sur les cartes. Bon? Ouais. Ça évite d'acheter des allumettes. Dommage, l'argent d'allumettes, maintenant il fait faillite. Allez, je continue, j'arrive dans le troisième booster. Voilà. Ah, ça, nouvelle carte. C'est Ah des oui. doubles cartes. Donc souvent, c'est ce qu'on disait, il y a le premier effet qui se coule ou en éphémère, le deuxième en rituel, c'est quand il est dans le cimetière. C'est pour ça qu'il est sur le côté, en fait. Comme ça, vous pouvez le lire facilement dans votre cimetière, en fait. Ok. Voilà. Ça, c'est Mara. Les zombies que vous contrôlez gagnent plus un, plus un! Donc voilà, je pense que là je pars vers le noir-blanc. J'ai eu un land spécial comme ça, c'est bien. Ah oui, il y a des landes. Et j'ai un petit jeton. Ouais. Donc pas dans tous les boosters par contre. Hein. Ouais, ouais, Un ouais, booster tous les trois boosters, je sais pas quoi. Je continue. Le bleu, c'est nul. Le bleu, c'est la vie. Ça rigole. Je préouvre mes boosters. Sans gagner du temps après. Moi, c'est mon avant-dernier booster. J'essaie de faire au plus vite. Qu'on puisse faire Pas assez encore. Hein. Petite Pas assez vidéo. Temps. Cette petite vidéo de construction de jeu que je veux faire depuis longtemps. Ah, blanc! Les autres chats que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1 et lien de vie. Combo avec le jeu. Chat. Chat zombie. C'est un chat zombie l'autre? Non, le jeton. Ah oui. Bon, je vais voir. Noir-blanc, je pense. Lien de vie. Oui. Il faut le faire, j'ai trop noir zombie de chat. Je vais hop là, ramener ça. Ok, c'est des yeux. Mon dernier booster. Donc du coup, en rare, bon, j'ai eu une rare blanche et une rare noire, j'ai vu que c'était bon. Une rare rouge. Un biland, vert blanc. Ouais, celui-là ne sert à rien par contre, je pense. Non, c'est un vert rouge, hein. Pardon. C'est possible. Voilà, mes doubles cartes. Ah! Rouge-noir. On affiche 4 blessures à une créature, et l'autre, c'est quoi? Chaque adversaire perd X points de vie. C'est un peu comme le flashback, en fait, mais avec un autre effet. C'est ça, exactement. D'accord. Donc voilà. Voilà pour mes 6 petits boosters. Je vais vous sortir quand même les rares pour qu'on les revoie comme il faut. Et je pense que c'est le nerf de la guerre, hein, souvent. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, dans un Alors, scellé. scellé, oui. Si vos rares se combinent bien avec le reste. Hein. Je vais être content. Ah ben, commence pas à dire oh, tu spawns plus. Ah ouais, spawn d'accord. Tout ah non, je. Ah, ok. Ah ouais. Parce que sur Monet, c'est des jetons qui font quoi en fait, du coup? Sur Des Monet? jetons qui c'est des nouveaux états? Oui, c'est ça en fait. Sur Monet, c'est tu l'engages en fait. Enfin, tu décides de pas le désengager, il est sur Monet. Ok. Donc j'ai eu ça en premier, prouesse. Si une source que vous contrôlez devrait infliger des blessures non combat à une créature qu'un adversaire contrôle, mettez un marqueur -1/-1 sur cette créature à la place. Du coup, ouais, ça peut le faire. Hein. J'ai eu ça. Je pense que c'est pas trop mes couleurs, mais on va voir. Hein. Parce que j'ai pas mal de rouge. Hein. J'ai eu un Manticore. Quand le Manticore perse arrive sur le champ de bataille, vous pouvez sacrifier une autre créature. Quand vous faites ainsi, le Manticore perce cœur inflige à une cible créature ou joueur un nombre de blessures égal à sa
force est là au bon moment. Au bon moment, c'est une capacité, lorsqu'elle est dans votre cimetière, vous pouvez payer son coût d'embaumement et la remettre sur la table. Voilà, tout simplement. Ah oui ? Embaumée. Par contre, quand elle est embaumée, qu'elle repart en cimetière, elle ne peut plus le faire. D'accord, ok. Ça, mon truc sur les zombies, j'ai déjà lu. Ça, le truc sur les chats, j'ai déjà lu. Et ça, le truc coupé, voilà. Et voilà. Donc, à toi. On t'attend. Donc, du coup, je sais pas. Moi, mes rats, mais si je pourrais faire quelque chose, je pense que je ferais rouge-vert. Si je fais rouge-vert, j'ai 4 cartes. 4 rares que je peux jouer. Si je fais blanc-noir, j'ai 3 cartes. Si je fais une pointe de rouge. Donc, je sais pas. On va voir, c'est vraiment le reste qui va tout déterminer. Ouh. Comment ça c'est que t'as eu ça toi? C'est la promo? Pourquoi j'ai pas eu ma promo moi? Mais si tu l'as mise. Ah oui d'accord, oui, c'est ta promo, d'accord. Pff, c'était la bleue pour ça que j'ai dit c'est nul. Ah oui, j'ai eu ma promo bleue. Mais je l'ai même pas fait, je suis même pas allé. J'ai perdu. Alors c'est quoi Pyramide du Panthéon? Ajoutez un mana de la couleur de votre choix à votre réserve, mettez un marqueur brique sur la pyramide de Panthéon. Ajoutez 3 manas d'une seule couleur de votre à votre réserve, n'activez cette capacité que s'il y a au moins 3 marqueurs briques sur elle. Alors c'est ce qu'on disait, c'est peu de jouable ça. Hein. Mmh. Même en construit, je pense que. De quoi? Pas mal. Ça, oui, c'est. Il y a quelque chose. Ça peut être. Ouais. Allez, on est parti. Attention, attachez-vous vite, plus vite possible. T'es un dromadaire. Bon, c'est un chameau, d'accord. Et par contre, les, tu vois, les doubles couleurs, ouais. Ça on n'a pas vu ça, tu vois. Moi je la connais pas. On avait trouvé que c'était moins fort en fait que l'édition d'avant. Ouais, l'édition d'avant, elles étaient vraiment pas mal. Ouais. Ouais, faudra voir, hein. Peut-être qu'on se plante. Hein. Donc là, t'as rare. Serpopar Rôdeur, c'est ça? Serpopar Rôdeur. Le Serpopar Rôdeur ne peut être contrecarré. Ah oui, c'est bien ça, j'avais vu ça. Les sorts de créatures que vous contrôlez ne peuvent pas être contrecarrés. C'est super fort. Ouais. 3 d'invoque, 4-3. Un terrain et un jeton. Un jeton vizir. Un jeton clone. Vizir. Montre-nous ton vizir. Quand ça commence comme ça. Ça va pas aller, on va partir comme Final Fantasy. C'est ça. À la fin, on est tout mis. Bon, non, tu n'as pas vu la même vidéo. Votre carole sans cibler, embaumement, un scarabée. Ça, c'est pas mal. Il y a quelque chose à faire, ce carte, je pense. Ok, voilà. Hop, et là, on s'arrête un peu. Don Camillo. Non, c'est pas là. Don du Luxa. Au début de votre première phase de principale, retirez tous les marqueurs inondation de don de Luxa. Si aucun marqueur n'a été retiré de cette manière, mettez un marqueur inondation sur le don de Luxa et piochez une carte. Sinon, ajoutez 3 manas à votre réserve. Un mana incolore, un mana vert, un mana bleu. C'est super fort. Parce que tu pioches une carte si jamais tu mets ton premier truc là. Soit tu pioches une carte, soit tu gagnes 3 manas. C'est ça. Je trouve ça terrible. Premier coup, tu pioches, oui, pioches une carte. C'est vraiment super cher. C'est le premier à jouer. 4. C'est le seul petit défaut. J'ai un petit défaut quand même. Non, mais là, je suis bien, là, tu vois, vert bleu. Ouais, vert, je bleu, vois, je vois, je vois. Donc voilà, voilà. Parce que le bleu, c'est la vie. Voilà. À chaque fois que tu joues bleu, à chaque fois que tu perds. Ouais. Puis je joue des trucs fun à chaque fois. Ouais, c'est ça en fait. Ah, t'es la même rare que moi, dis donc. Donc prouesse, qu'est-ce que c'est prouesse, rappelle-nous? D'accord. Je sais même plus. C'est quoi? Je sais plus non plus. C'est pas tu vois pas le détail, non? Non, c'est pas. Je sais plus. Super, on est super calé, bravo. Prouesse. C'est pas le truc qui dit ne peut pas être bloqué que par des créatures rouges ou artefacts? Non, je confonds peut-être. Ça c'est menace. Non, menace. Ça c'est. Je sais plus. D'accord. Prouesse. Bon, on va regarder sur internet et puis on va vous dire alors, ce que là, ça veut dire. Hein, parce que on est beau, c'est vrai. Si une source que vous contrôlez devait infliger des blessures non combat à une créature qu'un adversaire contrôle, mettez autant de marqueurs moins un moins un sur elle. Un terrain et ça un fait jeton. En fait des dégâts qui restent. Quoi. Non mais prouesse. C'était pas le truc quand tu joues pas de créature et quand tu joues un sort. Mettez un marqueur plus un, non, c'était pas ça. Non.
Ou tu gagnes plus un, jusqu'à la fin du tour. Oh là là, non, oh, c'est court. Je vais tous les faire. Hein. Ça, c'est l'autre. Non, c'est pas pareil. Et le truc qui. Lorsque t'as un permanent qui est parti, c'est pour. Non, c'est pas pareil. Non, c'est pas ça non plus. Bon, moi, je sais pas. Je sais plus ce que c'est pour S. Ouais, ça, je crois que c'est quand il attaque. Si, peut-être le truc du marqueur. C'est ça, il gagne plus 1 lorsque tu joues un sort qui n'est pas un sort de créature. C'est pas ça pour S. Peut-être. Ça me parle comme ça. Bon, on va regarder sur internet la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on est nul. Ouais, bah, c'est pour ça qu'ils nous aiment bien. Hein. Bah, vous nous direz sur la vidéo ce que c'est pour S, tiens. Si j'ai raison ou tort. Par contre, si j'ai raison, vous mettez un truc vert en haut. Puis si j'ai tort, vous mettez un truc vert en haut. Oh, t'as du blanc, j'aimerais bien voir celle-là, moi. Un dieu. Un dieu. 4 d'invoque, double initiative, indestructible. Okatra, le loyal. La loyale ne peut attaquer ni bloquer, à moins que vous contrôlez au moins 3 autres créatures. Pour 4, tu crées un jeton 1-1 blanc guerrier avec vigilance. Ce qui te permet d'avoir 3 créatures. Pareil. T'as un terrain machin et t'as un truc. Alors déjà, je pense que ton pack est meilleur que le mien pour l'instant. Continuons, voilà. Les déserts, les crocodiles. Ah, voilà, t'as, c'est bleu. Tu voulais jouer quoi, toi? Vert bleu? Bleu, vert, ouais. Ah, ben c'est bon, t'es bien parti là. 4 de l'invoque, sphinx. 4-4, pas mal. Un sphinx. Ah, c'est pour les règles des dieux, le sphinx. C'est ça. À chaque fois que vous recyclez ou que vous défaussez d'une carte, regarde 1. Recyclage 1. Ouais, c'est pas mal. Bonne carte. Hein. Non. Alors, je trouve que c'est bien. Si t'as pas ce qu'il faut, tu recycles pour 1. Oui, bah, enfin, ouais, bah, ça, oui. Et c'est une 4-4 pour 4. Si tu joues vers. Et tant qu'à faire, il joue quoi? Un dieu en bleu. Voilà. Ok, tout va bien. Vol indestructible. Ne peut ni attaquer ni bloquer, à moins que vous n'avez au moins 7 cartes en main. Pour 4, tu pioches une carte. Puis, vous pouvez renvoyer un terrain que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Combo pour pouvoir recycler le terrain, bilan, paf, tu recycles après. Ah, ça y est, il vient de comprendre ton combo. Et un terrain. Non, mais il est bien quand même. Non, bah, tu me files en échange de pas, qu'est-ce que tu veux? Non, t'as pas le bleu. Ouais, c'est sûr. Alors, on continue. Un dromadaire, ou un chameau, je ne sais plus déjà. Tard. Ah, t'as deux rares rouges. Voilà, t'as de la chance, toi. Alors, mon mentor exigeant. À chaque fois qu'un adversaire active une capacité artefact d'une créature ou d'un terrain sur le champ de bataille, si ce n'est pas une capacité de mana, lui inflige 2 points de dégâts. Alors ça, en type 2, c'est super fort. Mmh. Tout ce qui est nain, et tout ce qui est marre du véhicule, pour piloter tes véhicules. Ça ne marche pas. Pourquoi ça marche pas? Pilotage, ça marchera pas sur le... C'est pas une capacité activée? Ben si. Ah ouais, c'est... Ah si, c'est la capacité activée du... Ouais, c'est... Si je pense, hein. Moi je pense que ça marche. Ouais. Mais bon, on verra. Hein. Ouais, du coup, donc t'as eu un terrain comme ça, comme... et puis comme si ça suffisait pas, hein, il y a eu quoi? Il y a un terrain premium. Voilà. Là, je dis, moi j'ai un pack à 12 euros, et lui j'ai un pack à 40 euros. Tiens. T'avais dit 48 euros. Tiens. Bon, je dis, il n'y a pas de justice. Mais bon. C'est comme d'habitude, je vais gagner, comme ça, ça sera mieux. Comme quoi? Pardon. Je vais tricher, je vais dire. Donc, qu'est-ce que t'en penses en vitesse? On a vu vite. C'est sympa, oui. Bah, après, j'ai pas vu. Ton pack a l'air meilleur que le mien, clairement. Ouais, bah, oui. Y a déjà des couleurs qui se dessinent. Et vous verrez, je sais pas si vous avez l'habitude de regarder les vidéos, je pense. À chaque fois, il dit oh, ton pack a l'air meilleur que le mien. Mais vaut mieux que je dise ça et que je gagne. Oui. Que l'inverse, dire oh, mon pack est super bon et je vais me prendre une grosse cette année, quoi. Là, au moins, comme ça, si je meurs, je dis ouais, mais je l'avais dit, quoi. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Un nouveau truc. 5 épreuves des dieux. 5 dieux. L'épreuve de solidarité. Épreuve de connaissance, épreuve de force et ambition. Alors après, qu'est-ce que ça fait? D'accord. Bon, un petit jeu à faire. Il y a quoi à gagner? Je ne sais pas. Bon, super.
Donc du coup, ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle n'a pas duré bien longtemps, 20 minutes. Hein. Et moi, je pense que je vais me diriger vers... enfin, on va voir. Donc là, je vous propose de refaire une autre vidéo après, où on va vous faire voir un petit peu comment on fait les petits tas et... petits tas. Et comment on fait un scellé. Après, vous verrez, moi, ma stratégie, et lui, sa stratégie, comment on fait un scellé, je pense. Hein. On connaît déjà toute sa stratégie, déjà. Les jolies cartes, les nains. C'est ça. Alors là, il y aura les chats, les zombies... Voilà. Moi, déjà, je me prends un handicap dès le départ. Tout ce qui est bleu, je ne regarde même pas. Je le mets sur le côté, je ne joue pas. Mais c'est personnel. Moi, je recycle. Je vais recycler, moi. C'est pas ce qu'il faut faire du tout. Hein, on est bien d'accord. Hein. Moi, je vais recycler. Oui, il va partir sur le recyclage. Donc, du coup, ben voilà, on se quitte. Je vous fais un gros bisou. Puis à une prochaine.